Bonjour, je vous propose une salade sucrée salée. Donc pour la faire, il vous faut 2 pommes, 1 citron, 250 g de macaroni, de la salade, 2 cuillères à café de moutarde, 4 cuillères à soupe d'huile, 2 pincées de sel, 1 pincée de poivre, il vous faut 3 saucisses de Francfort et il vous faut 100 g de lardons ou 2 tranches de poitrine fumée. On va commencer par trancher les saucisses et éplucher et couper en petits dés la pomme et les mettre avec du citron et on va faire cuire les pâtes. Allez! J'ai coupé les saucisses de Francfort en petites rondelles, j'ai pelé, coupé en dés les pommes. Là, je vais faire revenir les lardons et les saucisses de Francfort dans une poêle. Là, dans ma poêle, je vais mettre la saucisse de Francfort coupée en rondelles et les lardons à cuire. Donc, pendant la cuisson des lardons et de la saucisse, je vais faire la vinaigrette avec le reste de citron qui me reste, la moutarde, l'huile, le sel, le poivre. Donc voilà, moi j'ai monté ma vinaigrette. Donc vous voyez, elle est un peu épaisse. N'hésitez pas à l'allonger avec un peu d'eau si vous avez envie qu'elle soit un peu plus liquide. Personnellement, c'est ce que je fais. En plus, ça l'allège en même temps. Ça prend tous les pâtes et tout ça parce qu'il y en a quand même pas mal de pâtes. Hein. Il faut quand même prévoir un peu de sauce. Dans un saladier, vous allez mettre les lardons et les saucisses qui ont été revenus, les macaronis, on va bien mélanger, après on va rajouter les pommes, on va mettre la vinaigrette, donc j'ai allongé avec un peu d'eau, elle est plus liquide, c'est quand même plus sympa, et quand on va servir, on mettra des lamelles de salade. Donc voilà notre saladier avec les macaronis et la saucisse et les lardons bien mélangés. On va rajouter les pommes. Donc là, j'ai rajouté les pommes, j'ai retourné, je vais mettre la vinaigrette que je vais bien tourner et après je vais mettre au frais jusqu'à temps de servir. Voilà, là elle est vinaigrée, elle est toute prête, on va la mettre au frais et juste au dernier moment on coupera la salade et on la mettra dans l'assiette au fond pour donner une touche de couleur. Alors si vous craignez pas, n'hésitez pas à vous mettre aussi des morceaux de tomates cerises ou de tomates. Voilà, allez, à tout à l'heure. Et voilà ma version de la salade sucrée salée avec des macaronis, de la saucisse, avec des lardons et des pommes. Un peu de couleur avec la salade. N'hésitez pas à mettre des tomates si vous supportez le soir. Allez, bon appétit !